Brian Joubert. Donc Brian Joubert, qui vraiment lui n'a rien à perdre dans. Ouais, il l'a dit, hein, il a beaucoup dit, hein, avant, pendant la préparation de ces jeux et puis récemment en interview. Oui. Effectivement, il dit oui. Je me suis détendu, c'est mes derniers jeux, il faut que j'en profite. Oui, Marie-Christelle. Florent, regarde Brian passer là. Donc il passe pas tout de suite en zone mix. On avait les matchs tout à l'heure, mais ils ont fermé la porte. Il le regarde passer. Très bien. Dès qu'il est à vos côtés, vous intervenez bien sûr. Et je crois que Philippe voudra lui dire peut-être quelques mots. Allez, ici, Brian. Oh, c'est bien. Oui, magnifique, trois triples. Ça, c'est la classe. Allez, faut lâcher les chevaux maintenant. Il y a encore le triple Axel. Oh là 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 là. Eh bien, écoutez, c'est peut-être pas le Français que nous attendions qui va nous proposer un programme royal. Ça serait tellement bien pour le poids de vin. Ça serait tellement bien. Attention. Oui. Allez, oui. C'est bien. C'est allez, Brian. Un peu rattrapé à l'image de Majorov. Allez, Mutations pour l'accompagner. Il faut tenir les pirouettes jusqu'au bout là, parce que c'est là-dessus que les juges, s'ils ont envie de l'allumer, ils vont se régaler. C'est bien, il va mettre le feu. Le public russe accompagne très largement Brian. Très populaire ici. Ils adorent son patinage. Il reste le loot, normalement le flip, je crois. Loot, triple loot, allez, parfait, c'est bien ça, allez. La pirouette est bien tenue, elle est longue. Allez, là il faut respirer un bon coup avant d'attaquer certainement la suite de pas. Avec, il regarde Véronique Lyon, son entraîneur de ses débuts. Oui, pas de toujours. Pas de toujours, malheureusement. Voilà. Il a fait un retour aux sources et ça paye ce soir. Allez, allez, accélère, petit. J'adore vous entendre encourager Brian, Philippe. J'adore ça. C'est génial ce pas. C'est une chorégraphie moderne, c'est très bien ça. Et ouais, les Russes n'arrêtent pas d'applaudir, hein. Ils l'accompagnent vraiment jusqu'au bout. Là, il reste encore une pirouette. Ah, c'est bien en plus là, ça tourne bien, ça tourne vite. Encore. Et ben voilà, parfait. Voilà, programme sans faute. Parfait. Oh, que c'était beau. C'est nickel, tous les éléments sont parfaits. Les pirouettes, lui aussi, il a toujours du mal à faire le tour, il les a faites. Oui. Le programme de Brian. Alors Florent, qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, bravo, il le mérite. Il voilà, c'est un battant et je lui souhaite tout le meilleur pour cette dernière compétition. Il le mérite tellement, c'est tellement un mec génial que voilà, bravo à lui. Ah, mais c'est bien là, au moins sur le banc il peut dire ah finalement ces Jeux Olympiques je les adore. C'est pas la phrase d'il y a 4 ans après ce programme technique. J'espère tellement sur ces notes, ça peut monter très haut, ça peut monter très haut. Pas tant que ça quand même, hein, 85. Oh, ils sont durs. Franchement, moi je trouve que c'était mieux que Fernandez qui a eu 89. Moi je trouve que Fernandez a été bien surnoté quand même parce que. Il descend pas dans le classement. Presque 86, il a 3 points de Fernandez. C'est dur parce que Fernandez n'a pas été sans faute. C'est vrai. En tous les cas, très 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 bien. Un très bon accueil du public pour Brian. Ça promet pour demain.